Nouvelle place, nouvelle aventure. Après Winterswil, Sissikon, Brunnen, Stoß, nous voilà au Grison. Let's go! Première chose à ne pas louper au Grison, je vous emmène à Philissur, un petit village de 500 habitants qui abrite un des monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Landwasser Viaduct, venant ainsi le troisième chemin de fer à recevoir cette distinction. Il mesure 136 mètres de long avec une hauteur de 65 mètres. Plus de 60 trains y passent par jour, soit un total d'environ 22 000 trains par année. Après cette première visite historique, nous voilà perdus dans ces grandes étendues verdoyantes des Grisons. Des paysages sauvages incroyables, des sapins à perte de vue, des lacs avec des eaux cristallines et des chemins à pu s'y retrouver. Bref, on pourrait parfois se croire dans un décor canadien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouvelle découverte. Aujourd'hui, on va visiter ce qui s'appelle le Grand Canyon suisse, hein, à défaut de ce qu'on devait voir aux États-Unis. Mais je pense que ça risque quand même de valoir le coup d'œil. Mais les Grisons, ce n'est pas que ça. Il y a bien effectivement un Grand Canyon suisse, alias Ruinolta, qui est le deuxième endroit à ne pas louper. Pour faire simple, il y a plus de 100 000 ans d'années, des tonnes de pierres se sont écoulées dans la vallée après un gros orage. Et c'est ainsi que la vallée du Rhin est née. Après quelques heures de marche, on vient d'arriver à un endroit plutôt spectaculaire. Je vous présente le Grand Canyon suisse. Et pour terminer, je vous emmène sur les routes des Grisons. J'adore autant rouler que prendre des paysages en photo. Le premier était celui de la Fluela, très réputée et nommée par certains sondages l'une des 25 plus belles routes du monde. Le deuxième était le Julier Pass, de Tiefenkastel à Silvaplana, sur une longueur de 42 km. Appréciez ces magnifiques paysages.